Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, pas de vidéo au bord de l'eau, ça sera un petit tuto, fabrication de ses propres bouillettes enrobées. Donc je vais vous montrer tout ça de suite. Vous allez voir, c'est très simple, c'est facile à faire, tout le monde peut le faire en tout cas chez soi et ça vous permet d'en avoir un petit peu plus d'avance. Donc je vous montre tout ça, mais avant ceci, bien entendu, vous n'oubliez surtout pas, c'est de lâcher les petits likes après si la vidéo vous a plu, de vous abonner pour tous ceux qui n'y sont pas, la petite cloche de notification pour être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Et puis allez, c'est parti. Let's go. Donc voilà, tous mes ingrédients sont là devant moi, donc je vais vous montrer de suite. Donc bien sûr, vous prenez votre petit paquet de sticks mix, donc vous en mettez suffisamment dans la petite boîte. Je vais prendre mon récipient dans lequel je vais rajouter donc le dip à l'intérieur. Donc à bien remuer avant, hein, je l'ai fait moi déjà. Hop, on met un petit peu de dip. Là, vous allez prendre quelques poignées de bouillettes que vous allez mettre dedans. Tout dépend de la quantité dont vous avez besoin. Et surtout, bah, vous mélangez bien. Vous mélangez tout. Donc s'il y a encore un peu, bah, je vais en rajouter un peu. Hop. Voilà, pour que le dip il soit vraiment sur la totalité des bouillettes. Qu'il n'y ait pas une seule partie des bouillettes qui ne soit pas enrobée. Qui ne soit pas enrobée avec le dip. Voilà, une fois que c'est fait, vous faites tout descendre directement hop, sur le stick mix. Et là, bah, vous allez tout simplement c'est remuer le tout. Pour que le stick mix soit sur la totalité des bouillettes. Donc il ne faut pas hésiter hein, à bien mélanger, qu'elle soit complètement et parfaitement enrobée, qu'on ait l'impression que le dessus soit complètement sec. Une fois que la totalité est faite, il ne restera plus qu'à récupérer chacune des bouillettes qui a été enrobée et les positionner sur un sulfu juste à côté. Alors je viens d'enlever le papier sulfu parce que je me suis dit ça me gêne un petit peu, donc voilà. Donc vous remuez super bien vos bouillettes à l'intérieur. Voilà, que tout ce que vous avez mis vienne coller directement sur la bouillette. Donc en fait vous avez le dip qui va jouer tout simplement l'effet de colle hein. Et puis ça va reparfumer un petit peu la bouillette, surtout si elle soit un petit peu séchée. Donc voilà, une fois que tout ça est fait, hop, il n'y a plus qu'à le transvaser sur le papier sulfu et laisser sécher. Donc voilà les amis, il n'y a plus qu'à poser vos bouillettes sur le papier sulfu pour faire sécher un petit peu. Et ce qui est bien, c'est que si jamais, ce que vous pouvez faire, si vous voulez un enrobage beaucoup plus impressionnant, donc c'est une fois que c'est bien séché, vous le remettez à nouveau dans le seau avec le dip et vous le retrempez à nouveau dans le stick mix. Et vous aurez une deuxième épaisseur, une deuxième couche d'enrobé dessus, donc c'est ce qui va être encore mieux. Donc ça va se dissoudre encore beaucoup plus lentement et ça va toujours garder une puissance, une forte odeur en tout cas pour pouvoir sécher et que ça diffuse un maximum dans l'eau. Donc je vais poser tout ça là-dessus, laisser sécher et puis éventuellement je referai un petit coup là-dedans. Et puis une fois que tout est bien sec, bien sûr, hein, vous le rangez dans votre petite boîte et ça sera parti. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer pour celles que j'ai déjà enrobées, qui sont ici. Donc je vais vous montrer en les remettant une deuxième fois dedans. Alors je vais pas en prendre beaucoup, hein, je vais en faire que quelques-unes. Donc vous les remettez directement dans le dip. Donc elles sont déjà enrobées une fois. Vous les remettez dans le dip. Vous reprenez donc, vous les enrobez à nouveau et vous les remettez à nouveau donc dans le stick mix. Et vous recommencez la même opération. Et vous mélangez bien jusqu'à ce que tout soit bien collé sur les bouillettes. Donc vous allez voir, bon bien sûr le diamètre va être un petit peu plus gros. Par contre vous aurez un double enrobage. Et vous allez voir, regardez-moi ça comme c'est joli. Donc un double enrobage, donc ça va se dissoudre encore beaucoup plus lentement dans l'eau, ça va durer beaucoup plus longtemps. Et ça, je peux vous dire les amis, je déroule à mort avec ça. Allez, je vais les mettre à sécher maintenant.
Bon voilà les amis, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et que maintenant vous saurez fabriquer vos propres bouillettes donc enrobées. Donc c'est des recettes qui sont vraiment très simples, maintenant vous les adaptez avec les parfums que vous avez et que vous voulez obtenir bien entendu. Donc si la vidéo vous a plu comme d'habitude, hein, vous lâchez les petits likes qui vont bien, la petite cloche des notifications, abonnez-vous pour tous ceux qui ne le sont pas. Et puis je vous dis à la prochaine session au bord de l'eau, ciao.